micro est allumé là. Yes. Ouais. Bonjour à tous. Bienvenue au troisième épisode de Paillettes et Grelinettes, pour lequel j'ai remis les paillettes et repris la grelinette. Pour cette fois-ci, je vous emmène en Ariège, au village de Pourgues. Le village de Pourgues, c'est 50 hectares. C'est un lieu de vie collectif qui a été lancé en mars 2017, donc tout jeune. Habitent ici 22 personnes, 16 adultes et 6 enfants. Et leur identité, c'est de vivre librement. Donc là, derrière moi, vous voyez Arthur et Jonathan. Eux, ils sont en train de jouer de la musique. Ici, on a Ramine et Marjorie, Jérôme qui est au bord de la piscine. Et c'est un jour normal au village de Pourgues. L'idée, c'est que chacun soit libre de faire ce qu'il veut, de s'épanouir comme il veut, d'apprendre ce qu'il veut, quel que soit son âge. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le village de Pourgues? Ils sont en coopérative d'habitants et en association. Il y a des terres maraîchères, un verger, à peu près 5 bâtiments en dur. Ils sont en train de construire des cabanes. Et énergétiquement, on leur demandera ce qu'ils ont fait parce que je ne suis pas sûre que tout soit encore en place. Il y a aussi des poules qu'on essaiera d'aller voir tout à l'heure. Bon, alors pour commencer, il y a Jérôme qui nous accueille aujourd'hui, qui va nous expliquer comment fonctionne la gouvernance du village de Pourgues, elle-même inspirée de la gouvernance des écoles démocratiques. Il va nous en dire un peu plus. Alors là, il est autour de la piscine avec un enfant, donc on va aller le chercher. Ici ? Ouais. Toujours avec les musiciens. Je me suis fait. Alors, moi, en introduction, je disais que votre gouvernance, enfin, votre philosophie ici était inspirée des écoles démocratiques. Oui. J'ai pas dit n'importe quoi. Non, c'est ça. D'accord. C'est donc à l'origine, il y a des gens qui ont créé des écoles démocratiques et qui, étant satisfaits vraiment de ce que ça produisait, se sont dit mais pourquoi pas vivre ça en fait au quotidien et en fait dans toute la journée en fait, pas que le moment de l'école, et donc adapter ça à tout un lieu de vie en fait. Donc on réutilise un peu la même. Alors philosophie, c'est un mot qui est souvent un peu abîmé, mais ouais. c'est juste notre intention, elle est la même chose, c'est-à-dire de prendre énormément soin de la liberté et d'avoir une considération de tous les individus de manière, je dirais, égale, sur le même niveau. Et donc adultes les enfants. Et enfants, voilà. Donc c'est pour ça que dans les écoles, c'est la particularité, c'est que les enfants sont vraiment considérés au même titre qu'un adulte. Et donc du coup, c'est une des évidences dans notre collectif aussi. Ouais, pour être sûr. C'est ça. Bon alors on y va ? C'est parti. Continue à filmer les musiciens, regarde comme ils sont beaux. Alors je les présente. Ah, mais j'ai déjà présenté Jonathan et Arthur. Jonathan est une star internationale de reggae. Et Arthur, une star en devenir. Marjorie s'est mariée avec Ramine il n'y a pas longtemps. Et elle est avec son. Et Jérôme Grelina. Allez, c'est parti. C'est un projet. Tout notre territoire est sorti du domaine agricole, c'est une particularité juridique de notre lieu, il est sorti du domaine agricole. Donc, il est en quoi? Constructible alors? Il est en accueil de touristes, en accueil touristique, je ne sais plus, c'est AUTC, bon, bref, c'est une appellation au niveau du PLU. Et donc on peut faire de l'accueil touristique, et pour cette raison-là, en fait, on a du constructible, on va pouvoir étendre les constructions pour pouvoir générer de l'accueil touristique sur le lieu, plus que juste avec ce qui est déjà existant. Et tu disais construction écologique avec des matériaux écolos. Ouais. Vous avez déjà une idée de ce que vous allez ouais, faire? Ouais, on a déjà fait pas mal de réunions qui nous permettent de préciser les matériaux employés. Donc on va majoritairement utiliser donc, le bois, surtout pour tout ce qui est structure. Généralement, c'est là qu'on a recours au bois. Donc on cherche vraiment des bois locaux, avec des scieries locales, etc. Enfin, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, même peut-être qu'on fera avec un village à côté qui fait venir une fois par an une scierie mobile. Donc là on amène nos grumes, on commande des grumes, voire avec eux, et puis on débite tout sur place. Donc voilà, on va toujours être sur des filières courtes évidemment. Donc le bois, mais aussi beaucoup la terre, parce qu'on a une terre qui, à défaut d'être excellente par exemple pour faire des bassins, elle est excellente pour faire de la construction. Ah. Donc on a beaucoup envie d'utiliser la terre et puis de la paille aussi. Ah ouais. Donc en gros ça va être les trois matériaux très utilisés. Je pense que quasiment peut-être tous les colibris que vous croisez et qui nous écoutent, ils aiment ça. Ils aiment viser une autonomie alimentaire, une autonomie énergétique, etc. Oui. Mais ça c'est les grands mots. Et après comment concrètement on arrive à y aller ou pas, ben faut voir à notre rythme. Donc là, comment dire, il y a plusieurs structures un peu légères, des gens qui vivent dans des choses qui se sont rapprochées de la nature, avec moins de. Peut-être pas d'électricité ou quasiment pas.
Donc c'est une manière déjà d'avoir une plus grande sobriété. Après, par exemple, en production d'énergie, tout ce qu'on a fait, nous, c'est aller vers des prestataires qui nous vendent de l'énergie dite verte, parce qu'ils l'achètent, voilà. Ouais, genre une ERCOP, on peut genre, dire. Voilà, bah, je peux le dire, c'est eux-mêmes. Bah, même si on a comparé les différents trucs qu'il y avait, on a fait ça, mais c'est qu'un pas. Pour l'instant, on n'est pas autoproducteur sur place. Ça nécessiterait, on a pas mal de vent, donc on pourrait mettre de l'éolien. Mais ce n'est pas des projets qu'on a pour l'instant. D'accord, on ne peut pas mettre les finances pour l'instant dedans. Petit mais ça à pourrait. Petit. Voilà. Les structures comme ça vont peut-être vouloir développer leur propre structure pour être autonome, en fait, juste sur site. Donc oui. Avec quelques panneaux, récupérer l'eau de toiture, je ne sais pas, toutes ces choses-là. Ça, après, c'est à chacun de voir comment son projet évolue et comment il veut, quelle forme il veut lui donner, quels moyens il a pour la réaliser. C'est une coopérative d'habitants, donc ça appartient à tout le monde. Mais donc, en fait, ça appartient à personne personnellement. C'est le « nous » à qui appartient tout ça. Donc si jamais je veux faire ce que je veux à un endroit qui appartient aussi aux autres, ça va pas. Donc il faut forcément qu'il y ait un temps de discussion. Et nous, notre méthode pour ça, c'est que tout le monde est libre et on fait de la sollicitation d'avis. Donc c'est-à-dire que chacun peut faire ce qu'il veut, quand il veut, mais il faut qu'il ait sollicité les personnes que ça impacte ou qui en ont une compétence particulière. Genre, je sais pas, alors, moi, si ouais, jamais si il y a un maraîcher... Très concret. Imaginons qu'il y a une personne qui est vraiment très bonne en maraîchage, qui a une grosse compétence là-dessus, et que moi, d'un coup, je me dis, bah, je vais couper des arbres là pour aller planter des maïs et des choses comme ça, et sans l'avoir informé, alors que lui, il est au courant de tout ce qui se fait en gestion naturelle dans l'espace, et ben ça va pas, en fait, quelque part, on pourra lui opposer, donc en CEA, comme vous avez vu, on pourra lui opposer ça en disant, mais t'as pas fait, ta sollicitation d'avis n'a pas été correcte, t'es pas allé solliciter les personnes les plus évidentes. Mais s'il l'a fait et que la personne, elle lui dit, ouais, moi je ferais pas ça, mais je suis pas contre, et machin, etc., elle lui donne des avis, et ben il peut aller ou contre ou pour, il fait ce qu'il veut, l'idée c'est qu'il reste libre de faire ce qu'il veut. Alors ça pour moi c'est le plus fou. Pour vraiment explorer ce que c'est qu'un vrai être humain, ben, c'est l'idée, nous la nôtre en tout cas, c'est de lui rendre sa liberté, sa dignité quoi, de le laisser exprimer totalement c'est quoi la liberté en fait. Et là, quand tu explores ça, ben, tu te rends compte qu'en fait ça va, c'est de la négociation et on trouve notre posture chacun. Et ça. La caméra n'est pas là, il y a juste beaucoup de scintillements. Ouais, il y a juste mes paillettes. Salut, on vous dérange deux secondes, vous faites quoi là? Enfin, c'est un peu con comme question. Ça se voit un peu, mais c'est pour faire la pédagogie. Et du coup, c'est un atelier en plus des yourtes qui serviront de l'habitation, du coup, pour l'habitation. Là, c'est un atelier, les sanitaires un peu plus loin là-bas. D'accord. Et ça, c'est ta future yourte? Ouais, non, c'est pas moi. C'est à Benjamin, le monsieur avec un t-shirt rouge là-bas. Il nous faut le chef. Il est où le chef? Oui. Parce que bien là, Ben. Vous faites partie du collectif tous les deux, mais vous allez vous filer un coup de main à quelqu'un d'autre, parce que c'est pas votre logement. Ouais. Bah Maxime, il habite un peu plus loin là-bas. Ouais. Et l'idée, c'est ça un peu, c'est de faire chacun sa maison et qu'on cède pour qu'on vide du coup le château blanc là-bas. Où vous ferez de l'accueil. Voilà. Toi, tu vas habiter là tout seul ou en famille ou... En famille. Avec mon épouse et mon enfant. Et ce sera pérenne, hein? Enfin, ce sera pour plusieurs années, vous essayez ça? Pour plusieurs années. Du coup, c'était l'idée de s'essayer de s'installer là, en habitat léger, pour après ne pas être pressé par le temps pour construire des maisons plus tard. Donc, si on peut rester 10 ans, là, il n'y a pas de souci. Et pourquoi la yourte plus que la cabane? Parce que c'est rond. Ah! Alors là, il n'y a rien à répondre. Non, parce que c'est rond et c'est ce qu'on voulait vraiment, un habitat rond. D'accord. Et on fait une cabane à côté, c'est sanitaire. Et les angles ne te gênent pas trop, du coup, ici? Non, ça va. C'est clair. C'est fait. Et là, il y aura un atelier pour ma compagne qui a besoin d'un atelier pour travailler. Elle fait quoi? Illustratrice. Elle fait des livres pour elle. Ah. Et alors oui, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous auriez plusieurs à vivre de votre activité sur place. Alors, pas du tout, j'ai rien vivre, compris. Vivre, si, vivre, c'est un grand mot. Par exemple, elle a une activité, mais elle ne fait pas que ça. Et du coup, elle c'est sa passion, donc elle fait pas ça forcément pour vivre, mais elle veut que ça lui rapporte de l'argent, que ce soit valorisé. Moi, j'ai une activité de sophrologue que je veux commencer au village d'à côté dans un mois. Mais pareil, je ne veux pas en vivre, je ne veux pas faire que ça. 2 jours par semaine, c'est le grand maximum pour qu'après je puisse faire autre chose, construire les maisons ici et tout ça. C'est intéressant parce que Maxime, il a développé un peu l'objectif qu'on a ici, c'est en fait faire ce qu'on veut, faire ce qu'on aime et du coup développer des compétences naturellement. Et lui, bah voilà, il a fait ce qu'il aimait, c'est construire et bâtir, et il s'est carrément grave développé les compétences. Vous faites ce que vous voulez, enfin ce qui vous plaît, vous transmettez des compétences et vous arrivez à en vivre. Ouais.
Et ça marche, enfin, pour c'est de le projet, vrai. En tout cas. Pour l'instant, ça marche. Et ça continuera à marcher, parce que quand il y aura des besoins particuliers, ben, on s'adaptera et on avisera en fonction. Oui, on l'a acheté avec tous les frais, etc. Bon, c'est à peu près le million d'euros. D'accord. C'est autour du million d'euros. Et la personne qui a apporté les 40%, comment ça se passe ? Ben, comme pour tout le monde, elle n'a pas plus de droits que les autres. Si ce n'est que si j'ai un jour, elle en part, elle récupère quand même c'est 40%. C'est ça, elle récupère 40%. Mais oui. En termes de démocratie, de prise de décision, elle n'a aucun poids supplémentaire. Et voilà. Et même cette personne, elle pense à se dessaisir totalement de la propriété de ces 40%, donc les mettre dans une structure juridique qui la rendrait à des communs, pour une certaine manière. Donc voilà, ça va loin. Et l'emprunt, il est réparti à charge égale sur tous les... En fait, on fait pot commun, nous, ici. Donc chacun donne ce qu'il veut, donne ce qu'il peut. Et il n'y a pas de regard, de jugement, de valeur sur ce qui est donné. Donc voilà, c'est... Attends, quoi ? Ouais, ça fonctionne comme ça. Répète. Ben, en fait, quand vous avez un seul compte en banque ? En fait, tu sais, quand on commence à faire confiance à l'humain, on le fait ou on le fait pas, quelque part. C'est un peu ça, l'idée. Et quand on vient à se questionner, à me dire « Ouais, mais attends, t'es sûr qu'on devrait pas un peu ?» Et là, dans ces moments-là, on se dit « Ouais, mais attends, c'est une notion de peur, en fait, qui anime ce besoin d'avoir de la sécurité, etc. » Mais si on arrête ça et qu'on dit « Ok, faisons-nous confiance », c'est quand même le principe des apprentissages autonomes, c'est qu'on fait confiance à un enfant, et finalement, un peu a fortiori, un adulte pareil, qu'il a tout ce qu'il faut en lui pour développer sa vie et apprendre et faire... voilà, il va traverser sa vie avec brio si on ne l'oblige pas à le faire d'une certaine manière. Donc c'est pareil, là, les gens donnent ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et collectivement, on est responsable d'avoir un compta équilibré. Et par curiosité, les gens, ils mettent de combien à combien ? Eh ben, ça dépend. Il y en a qui ont le bénéfice d'être rentiers, c'est-à-dire qui ont des appartements ou un appartement et qui louent et donc ça leur fait gagner de l'argent. Et puis il y en a qui ont juste un petit RSA et qui donnent ce qu'ils peuvent. Il y en a même qui se refusent d'avoir le RSA, qui ne veulent pas faire cette démarche. Et ils donnent presque rien, ça dépend. Ça va jusque-là, quoi. C'est la liberté. Mais après, je pense qu'on est à la fois libre et responsable. C'est-à-dire quelqu'un qui se rend compte qu'il ne donne rien et que régulièrement on fait les comptes et on estime combien nous coûte chaque mois. Ici, on en est aujourd'hui, pour donner une idée, c'est toujours intéressant. On est à peu près à 500 euros par mois par personne. C'est à peu près le coût de la vie ici. C'est que lui, justement, il donne beaucoup. C'est-à-dire qu'avant, il avait une vie où il touchait pas mal d'argent, et là, il remet quasiment l'intégralité dans le pot commun, et il se garde juste un genre 150-200 euros par mois d'argent de poche pour faire des trucs juste à lui, quoi. Et là, au moment de s'acheter les chaussures, c'est vrai qu'on s'est dit, mais attends, c'est... En fait, je mets tout mon argent dans ce pot commun, c'est juste comme si c'était mon compte à moi aussi, c'est juste que, voilà, je passe par ce compte-là collectif. Oh là, ça a l'air bien de ce côté, ouais. On a trop envie d'être à sa place. Coucou. Une moitié de pomme. Alors ça, il faut préciser, c'est pas ton enfant, non. Celui-là. Non. Zeya, c'est le fils de Ramin et Marjorie avec qui on vit ici. C'est vrai que très prosaïquement, moi je me disais, bah là, pendant que toi tu t'occupes de Zeya, Ramin et Marjorie, ils peuvent faire autre chose. Ouais, tout à fait. Alors que seul chez eux, ou bien c'est la garderie, ou bien... C'est ça, c'est ce que j'ai vécu, moi j'ai été parfois seule avec les enfants, et c'est vrai que c'était, très prenant, etc. Puis même au-delà de ça, par exemple, c'est drôle, parce que là je suis en train de me balader avec Zeya, et Ramin est en train de faire un tour à la ferme d'à côté avec Isaiah, qui est mon fils. Ah. Et c'est ça aussi, la richesse, c'est pas uniquement de libérer du temps, mais que les personnes qui sont là, les enfants, puissent avoir des interactions avec une diversité de personnes différentes qui ont à chaque fois des couleurs, des visions, des approches qui sont différentes, donc c'est forcément enrichissant, quoi. En fait, il y a deux choses qui sont un peu des opposés, qui est, on va dire, le respect des anciens et de ce qu'ils ont à nous transmettre, et le fait aussi de s'émanciper des traditions et de remettre en cause des schémas établis et tout ça, qui est aussi un autre truc important à cultiver. Et du coup, voilà, tout est toujours un jeu d'équilibre.
Et nous, notre manière de statuer sur cet équilibre et de le trouver, c'est justement par le collectif, en fait. Et dans le collectif, il va y avoir ces deux aspects-là qui se jouent. Dans toute délibération, va y avoir un truc de ce que les anciens nous ont transmis et qu'on a en nous et qu'on va aussi exprimer. Et va y avoir aussi cette culture qu'on a de liberté individuelle, donc de défiance de l'autorité, ou en tout cas pas de juste se soumettre aveuglément à une autorité. Et le truc de juste dire systématiquement « j'ai de l'expérience, donc je sais, donc quelque part tu dois te soumettre », bah c'est pas si sain que ça de juste l'appliquer systématiquement. Il y a besoin d'un... Puis on n'est pas d'accord, voilà, entre nous. Et les enfants nous invitent vachement à ça. Les enfants, en fait, à chaque fois qu'ils ils rejettent un cadre ou ils refusent une règle ou quoi, en fait, ils nous invitent au questionnement de cette règle. Parce que c'est... Ouais, il y a quand même une part de nous qui se dit « attends, bah là, en fait, il veut pas faire ce que moi je trouve comme étant raisonnable. Bah pourquoi, en fait ?» Et je veux dire, soit ça va, on va avoir un bon argumentaire et cristalliser l'évidence qu'il y avait déjà, soit en fait on va se dire, ah bah tiens, bah peut-être qu'il pourrait être en être, peut-être qu'il pourrait en être autrement. Donc, faire de l'agisme, c'est avoir une attitude autoritaire parce que t'as pas, parce que à cause de ton âge en fait. C'est donc normal, ce serait normal que je puisse avoir l'autorité sur toi parce que tu es petit. Donc nous on a décidé de se refuser à cette logique-là. Et donc, c'est pas évident. On a une règle agisme. Elle a été utilisée à ce moment-là pour dire voilà. Dire 6 fois de suite à quelqu'un, c'est pas ok. Justement, un des premiers CEA qu'on a fait, c'est toi qui avais mis un CEA envers moi pour questionner le fait que justement je te harcelais pour prendre une douche. Moi, ça s'est passé, ben, on a eu le suivi habituel, c'est-à-dire les faits. Et donc, très factuellement, je me souviens, c'était voilà, Elfie m'a demandé de me laver, de prendre une douche. Elfie m'a demandé de prendre une douche. J'ai répondu que je ne souhaitais pas. Et elle est revenue me voir à la charge, je ne sais plus combien de fois, 2 fois ou 3 fois dans la journée. Et ensuite, une fois que ça a été fait, on est passé à l'étape suivante du CEA qui est le est-ce qu'il y a des règles transgressées ou pas dans les faits qu'on a établis tous ensemble comme étant ce qui s'est passé. Et oui, je crois qu'il y a donc la règle empêchement qui est une règle qui dit qu'on ne peut pas... il n'est pas possible d'interrompre quelqu'un qui est en train de faire une activité s'il a envie de continuer tranquillement, ou bien d'obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Là, c'était clairement le cas. Et il y a eu également une deuxième règle qui avait été reconnue, qui était harcèlement, en effet. C'est-à-dire que si tu demandes quelque chose à quelqu'un et qu'il te dit non, ben t'arrêtes, quoi. Enfin, tu vas redemander et redemander, c'est du harcèlement. Et du coup, j'ai reconnu, parce qu'il y a aussi... c'est tout un organe qui est collaboratif. Donc moi, j'étais à discuter aussi. Puis il s'agit que est-ce que je suis d'accord ou pas avec ce qui est dit. En effet, là, j'étais d'accord avec ce qui était dit. Alors, qu'est-ce qui se passe si il veut passer sa vie à manger des hot-dogs, à pas se laver et à jouer à la console? Voilà. Alors, c'est toujours là. C'est la question qu'on se pose. Mais tout à fait. Et c'est la question qui se pose d'ailleurs, parce que Isaiah... Ce serait trop cool. Comme tout le monde, voilà, il est... comment on dit, il a ses propres aspirations, il a aussi ses propres influences qui viennent de différentes choses et tout ça. Et en fait, moi, je pense que j'ai un point de vue, en fait. C'est pour ça que j'hésite pas à exprimer. C'est-à-dire, on en a beaucoup parlé des bonbons, de la junk food, des écrans, etc. Donc, j'exprime mon point de vue par rapport à ce que je sais, ce que je connais et tout. Oui, parce que j'ai observé que les interdits étaient toujours contre-productifs. Que ça ne fonctionnait pas, en fait, et que je sais pas ce que je souhaite pour mes enfants qui deviennent obéissants parce que quelqu'un leur a dit que c'était nuisible ou mal. Des fois, il y a même des valeurs morales qui se greffent là-dessus, de faire ci ou de faire ça, etc. J'ai envie que vraiment ils le sentent au fond d'eux-mêmes et que ça vienne d'eux, et c'est là que c'est efficient, efficace.